Bonsoir, 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 bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Vous savez, on avait parlé ici, à un moment donné, que le CNRD, à travers l'ARPT, ils avaient réduit le débit de connexion. Des Guinéens ont dit non, c'est rentré, c'est sorti. C'est-à-dire, quand vous regardez nos vidéos avant, vous voyez les 1000, 2000, 3000 personnes dans nos lives. Mais tout d'un coup, ça a basculé. Donc, quand on vous disait que oui, ils ont réduit le débit de connexion, l'ARPT, maintenant vous avez vu clair dedans. Même des médias, des sites aujourd'hui. C'est-à-dire, on a affaire à des bandits qui veulent tout saboter, saboter l'Internet, saboter les réseaux sociaux. Vous avez vu les conséquences qu'au changement de directeur pour pouvoir manipuler l'Internet. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui mettons feu derrière ces bandits, ces narcos. C'est nous qui exposons tous leurs problèmes. Ils ne peuvent pas acheter nos consciences. Maintenant, il faut saboter l'Internet. Il faut saboter l'Internet. CNRD. Vous n'avez pas honte. D'abord, Orange. Orange est en train de piller les Guinéens. Les gens ne peuvent même pas se connecter. Vous voyez? Regardez le direct, hein, parce que les gens ont du mal. Même ceux qui me regardent aujourd'hui, là, actuellement, la majorité, c'est ceux qui sont à l'étranger. Vous pouvez témoigner ici. Vous pouvez donner vos positions à travers le direct, là. Les gens le sauront tout de suite. En Guinée, aujourd'hui, il faut essayer de saboter l'Internet pour ne pas que les gens puissent écouter les forces vives. Pour que la population ne puisse pas écouter les leaders politiques. Non, mais franchement, vous n'avez pas honte. Sabari en était victime. Et ce qui se passe aussi, voilà. Sekou Kamano qui dit qu'il est en Belgique. Majid Barry qui dit qu'il est à Ohio. Vous voyez, je vous ai dit, ceux qui me regardent actuellement, la majorité sont à l'étranger. Voici BP Bar qui dit qu'il est en France. Je vous ai dit. On est tellement suivi en Guinée que les bandits, pour saboter, pour ne pas que les gens. Voilà, Souleymane Diawara, Abidjan. Voilà, Aliou Souaré, en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, on a affaire à des bandits qui ne veulent pas que les gens. Voilà, Adama Touré, France. Je vous ai dit, on a affaire à des voyous. Wallah, CNRD, c'est des voyous. Ils n'ont pas honte. Voilà, Ali Bangoura, Maroc. Je vous ai dit. Les gens ne font que m'envoyer des messages. Voilà, Alpha Oumar Baldé, en Allemagne. Hein? Alpha Oumar Baldé, voilà, Abbé Hollande, Adamsko, mon petit, lui là en France. Vous voyez, Bassano, la majorité de ceux qui me regardent actuellement, Alpha Joe, Tunisie, Yaya Conté, Madrid, je vous ai dit, Mounou bandit d'oro dans ma langue. Et moi, ma population, moura non dit la population. Ils ne veulent pas qu'on dise la vérité. Lancez Condé, Angola. Voici Famani Oulare, New York. Ousmane Kaba, Maroc. Abou, voilà, mon cousin qui est là. Camara, Abou, Isma Camara, Canada. Vous voyez, Mohamed Camara, Amsterdam. Youssouf Ba, Gambie. Abdul, Voici Camara Ali France. Non, est-ce que vous voyez quelqu'un en Guinée? C'est pour vous dire, c'est fait exprès pour saboter l'Internet en Guinée pour ne pas que les Guinéens puissent. Ceux qui vont signaler ici, là, ceux qui vont signaler ici, peut-être qu'ils ont VPN. Non, ne les enveloppez. Celui qui dit qu'il est en Guinée, peut-être qu'il a VPN. Tout le reste, je vous dis, 95% de ceux qui me regardent aujourd'hui, actuellement, 95% sont actuellement hors du pays. Parce que tout est fait exprès par le CNRD. Parce que oui, les réseaux sociaux. Ibrahima Chérif, Lagos. Hein? Bon, voici Niole qui vient de dire qu'on était en prison, qu'on vient d'être libéré. Suite. Que l'Internet vient d'arriver. Voilà. Que l'Internet vient d'arriver. Makola. Donc, Ibrahima, voilà, on dit que l'Internet vient d'arriver. Niole est là. Sinon, la majorité, vous voyez maintenant, le nombre commence à monter. Eux-mêmes, ils disent que ça vient. Je vous ai dit, on a affaire à des bandits.
Ma soeur Fatmata Ibrahima Kondé, qui est du côté de Ferland, on a affaire à des bandits. Wallahi, ces bandits-là n'ont pas honte qu'au changement de directeur de l'ARPT. Vous-même, vous connaissez. Avant, on lance nos directs seulement. On lance nos directs en 3 minutes, 4 minutes. Vous avez plus de 1000 et quelques, 2000, 3000 personnes. Mais les bandits, ils ont compris que les réseaux sociaux, nous ne sommes plus, ils ne peuvent pas nous manipuler. Regardez Tola. Tola pouvait faire des directs où il y a 6 à 7 000 personnes. Les Paikoussare, il y avait combien dans leur direct? Est-ce que vous voyez maintenant? Ça n'a rien à voir avec Facebook, mais ils ont réduit le débit de connexion. Souvent, tu es en direct, les gens ne voient pas en Guinée. Voici, voici les tableaux. Des sites. Tous les sites down. Regardez les statistiques. ARPT. Tout ça, c'est fait exprès. Ils ne veulent pas que, oui, les forces vives véhiculent leur message. Les activistes comme nous, nous véhiculons les messages des leaders politiques. Le pays là est mal barré. Doumbouya n'a pas honte. En fin de compte, il va couper l'Internet. Billahi, ce bandit va le faire. Il n'a pas honte. Je vous dis, ce bandit, il n'a pas honte. Il n'y a que peut-être 10% de ceux qui me regardent là, qui sont en Guinée aujourd'hui. Ils ont VPN. Je sais que Niole, lui, il a VPN sur son téléphone. Tous ceux qui disent qu'ils regardent là, la majorité, ils ont VPN sur leur téléphone. Avec ça, on dit que non. Nous sommes. Et eux, ils sont venus pour changer. Quoi, c'est la refondation. Vous êtes venus pour faire reculer ce pays en arrière. Cambré, Balou, Sonou, Albra, Internet, saboté. Parce qu'elle te fait moluer. Information, nous serons. Elle te fait population. Yalon. Elle te fait coup là. Fouille. Cambré, Bag, Bansantani, Kakignon, Koka. Quoi, c'est NRD. Bandit, Groupoulou. Djamfanding, Bansan. Albra, Yébi. Tabara soal kola. Tabara soal kola. Almalo ali akedi. Donc, allons en demeurant, le pays est mal barré. Les médias aujourd'hui, même Djoma a convoqué. C'est-à-dire, Doumbouya et son clan, c'est des bandits. Alma Kouleta que Dobreko sont des drogoko koson. Kabafana ko kana djamnata kafere francima. Et j'entends des idiots qui vont parler moi du général. Vous pensez que moi je vais vous écouter? Vous les petites personnes là, vous pensez que moi, vous les petits blogueurs là, comment je vais vous écouter? Je n'ai pas le temps. Sortez, vous allez parler. Damaro, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas ce temps là. Le jour que je vais dire encore le nom d'un blogueur ici, dans ma bouche, ici, Damaro. Je vous ai toujours dit, c'est que la personne là est mieux que moi. Bande de vauriens. Maintenant, là, on vous montre Ouba, là, que non, il fallait prendre l'argent de CNRD. Je vous ai dit, moi, ma maman ne veut pas manger haram. Ma maman, là, elle dit que non, qu'il ne faut même pas que Dieu me donne l'argent, ce qui est haram. C'est la prière de ma maman, ça. Qu'il ne faut même pas que Dieu va me donner l'argent qui est haram. Parce qu'elle, elle ne veut pas que je lui donne haram aussi. Donc, vos conneries là qu'on a, il faut prendre. Pourquoi tu n'as pas pris l'argent du CNRD? Pourquoi je vais prendre l'argent des criminels? Pourquoi je vais prendre l'argent des criminels? Moi, je suis fier de faire mon Uber. Voilà. Moi, je suis fier de faire mon Uber. Donc, vous qui voulez manger là, mangez. Tout ce qu'on met dans le ventre là, on sera jugé demain à travers ça. Et donc, le combat là, vous ne pouvez pas nous faire taire. Parce que tout ce que vous voulez, moi, ce que j'ai subi avec ces gens-là, deux voitures gâtées par ces gens-là, tout fait. Et vous avez vu le cas de gars avec qui j'étais. Malgré 3 mois, j'ai quitté. Mais vous avez vu le résultat. Et les salauds ont cru que non, que ça, c'est que Damaro, il n'a même pas ça. Maintenant, là, je les montre. Ils ont fermé leur gueule. Comment va qu'au bandit l'a dit? Non, on vous a dit, tant qu'on est là, le CNRD, tant qu'on est là, la population ne va pas le suivre. Et c'est pourquoi ils ont peur aujourd'hui. Les réseaux sociaux, ils sont en train de saboter. Les réseaux, ils sont en train de saboter.
À la dit, tiens, demain. Je vous ai dit, on ne va pas vous donner les secrets militaires. Mamadou Doumbouya Kakoko, que ça va se retourner contre eux. Notre armée guinéenne, là, dans Katal Koko, l'armée, elle n'est pas maudite pour rester assise. Un bandit, un narco vient prendre le pays en otage. La souffrance sur les Guinéens aujourd'hui, ça ne finit pas. Hein? Vous, les blogueurs CNRD, au lieu de venir vous flanquer, parler de Général 5 étoiles, mais dites à la population. Ça dit, quand je dis que vous n'êtes même pas intelligent, c'est là-bas, quoi. Moi, je viens, je tape sur Mamadi Doumbouya. Je déshabille Mamadi Doumbouya. Je frappe Mamadi Doumbouya chaque soir. Mais vous, au lieu de venir dire, voici les programmes de Mamadi Doumbouya, voici ce qu'il a fait de mieux que le président Alpha Condé, pour que les gens puissent adhérer. Mais non, non, non. Vous venez vous flanquer quand vous allez parler du général. Et chaque fois, chaque jour, je vous montre la différence. Donc, asseyez-vous, hein. N'allez pas communiquer pour vos bandits, pour vos narcos, là. L'échec total que vous allez venir vous flanquer, parler de nous, de Benito, de Mamoudou Sylla ou quoi. Vous connaissez tous la vérité. On vous a tous trompé ici, bande de mains, que c'est le coup d'état du président Alpha Condé. C'est pas vous qui avez dit ça aux gens ici. Que non, nous, on ne connaît pas la politique. Aujourd'hui, vous avez honte. Ça ne va pas chez vous. Dans la déou, ou bien... Kinisi ben yakoreya no kono ko président Alpha Condé ni dungu ya la kula danne kanuma kolon voilà alumika colombie C'est le coup du président Alpha Condé avec Doumbouya maintenant. Expliquez aux gens, bande de menteurs. Ces voyous là nous ont appelés ici en privé tous, proposer de l'argent pour qu'on puisse les soutenir, mettre le pays en état. Nous on a dit niette. Ils n'ont pas payé mon colocataire. Et en complicité avec ceux qui sont en Belgique et en Angleterre là-bas. La personne que vous pouvez faire descendre, c'est moi, Damaro. Wallah, vous allez toujours avoir honte. Vous avez vu l'affaire après. Le coupable lui-même, il a eu honte partout où il part. Donc c'est ça. Imriate Kumako à la bante Nyaminga. Attaque la soubrelle. Maintenant, vous voyez les communicants. Pai Koussar, il va super bien. Adji, lui, il est calé. Tola est là. Général 5 étoiles est là. Mamoudou Sylla est là. Benito est là. Fatou aussi, elle est là. Matou est là. Tous ces combattants-là, Konaté, hey, ça finit même pas. Donc, le CNRD, là, coupez Internet, c'est mieux. Coupez Internet. Horonka, Horon et Kachia, fils de l'homme Balilou. Horon les cachia. Moutamou Dougoulaye, vous qui parlez là, vous êtes mieux que qui? Office en débé. Ça dit des gens qui sont là à Kémandé. Vous allez venir parler. Hein? Non, Ali Bangoura, il faut souvent ces maudits là qui pensent que les bandits là pourront rester au pouvoir. Ils se trompent. Voilà. Moi, je vous ai dit, si vous aviez vraiment des choses sur le général pour le faire tomber, Birinakolo. Voilà, vous voyez, ils ont censuré les médias. Voici. Tout, même film n'a pas pu faire l'émission aujourd'hui. Ils ont censuré tout. Vous allez censurer les médias, pourquoi? Moussa Souma, merci. Pour comprendre ma main, les mounou bandits d'Orona dans la Guinée dirigée fait. Diler, Mamadi Doumbouya n'a clan. Et autant vous dire que non, le président Alpha Condé n'est pas bon. Ah, le président Alpha Condé n'a rien fait. Oui, nous on dit Alhamdoulilah, le peu que lui l'a fait. Nous, les honnêtes personnes, nous sommes reconnaissants envers lui. Mais vous, les bandits, depuis que vous êtes venus, au Monsieur Rabar, Wali, quel emploi que vous avez créé pour les gens, à part humiliation des gens. Elle a essayé de ou a humilié. Sidi Atouré, fils de l'homme Bali. Aujourd'hui, ils ont compris. Hey, ils sont fouchés. Hey, Kobri Yomuna. Il n'y a rien.
C'est ceux qui ne veulent pas qu'on dise à la population. C'est ce meilleur, dit bandit d'oro ma langue. Dit bandit d'oro ma langue. Ce ne sont que des voleurs réunis seulement. Donc, je vais vous laisser la famille. Le combat continue. On est ensemble. Voilà. On a beaucoup d'informations militaires, mais on nous demande de mettre ça de côté. Donc, on ne va plus parler l'affaire des militaires. On va laisser de côté. Voilà. Même aujourd'hui, les gens, pour nous avoir, pour remonter des infos difficilement, il n'y avait pas d'Internet. C'est maintenant que les messages commencent à venir. C'est maintenant que les messages commencent à venir. Parce que les bandits ont censuré l'Internet. Des bandits comme ça. Vous avez fait quoi de mieux que le président Fakonde? Fisri Lombalilou. Mounieti de Roma Langue Naki. Et puis, bon, partagez, j'ai une information. L'événement, les organisateurs de l'Interstate à Washington, d'ici, c'est-à-dire à Maryland plutôt, on vous prévient. Interstate à Maryland, on vous prévient. Oui, Kodan, ça va venir. Vous allez faire venir des politiques. Il y a eu Interstate ici plusieurs années. 11 ans du président Fakonde, on n'a jamais politisé Interstate. Ça, toujours, ça c'est l'affaire des Guinéens résidents ici aux États-Unis. Si vous voulez inviter des parrains, vous pouvez inviter un parrain. Mais pour dire que dans ça va venir, Moutan Fafé, Ombour et Todé, en tant que Guinéen, que vous allez faire venir des Blacro, des politiciens Blacro ici, pour venir faire le discours des bandits. Aoua Manapaga Inango. Ok, il n'y a pas de problème. Si vous pensez que les Guinéens viennent dans l'Interstate à cause de Doumbouya, vous connaissez déjà la position des gens. Mais si vous voulez politiser là, faites venir dans ça. Aoua, nous on est assis, on regarde seulement. On ne dit rien. Aoua, moi, Damaro, je serai. Parce que j'ai entendu tous ceux qui disent que non, Damaro, tu vas, on va faire ça. Wallahi bilay, moi je serai là-bas. Aura bandit, où est Sarifi? Naloré, les 3 jours, je serai à Washington. Je sais que les Ahmed Durak et Biruna Bénin, tous ces gars-là, ils étaient ici. Tous les amis de Doumbouya, ils étaient ici. Aura partenaire Reli, Damaro Fafé, Onoma Nagana Waraba, Otanoma Nagana Onanankolo. Pour la maison, lui aussi, il sait dans quelle affaire il est aujourd'hui. Si vous pensez que vous pouvez venir ici, là, au fait politiser, comme il n'y a que des fainéants ici, Moutandore, CNRD, ce sont eux qui sont en train de nourrir les gens ici. Dans sa naka venir, il veut la honte de sa vie, non? On va lui donner. Envoyez la délégation du CNRD. Ils veulent la honte, on va les donner. Interstate. 11 ans du président Fakonde, ça n'a pas été politisé. Donc c'est pour venir dire ici que les diasporas aiment Doumbouya. N'oubliez pas, je serai de la partie. Voilà. Et puis, je vais mettre t-shirt anti-CNRD. Ma t-shirt, n'a rien à faire, dit Sarah. À bas CNRD. Et c'est ce que je vais porter au terrain. À bas les putschistes. C'est ce t-shirt que je vais porter. On prévient les organisateurs. Mais ici, aux États-Unis, ça n'appartient pas à papa de quelqu'un. Voilà. Soit n'organisez pas, mais si c'est Interstate, en invitant les Guinéens à travers les États-Unis, même d'autres viennent du Canada, si c'est pour venir parler des Blacro ici, que non, 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 que CNRD. Ah ouais. Vous allez voir. N'est-ce pas fait anti-CNRD, à nous pro-CNRD, ou à tout le monde. Si ce n'est pas pour venir jouer au ballon, s'amuser, se rencontrer et partir. Mais si c'est pour venir gâter la fête là, pendant des années, pendant des années, l'Interstate ici, ça se passe ici dans la paix. On ne parle pas de politique, c'est apolitique. Si c'est pour inviter, ce que, comme on a entendu là, que danse va venir, il n'a qu'à venir. Non, la danse, Andy Lamaluya, il a aux États-Unis ici. Même Donald Trump, on l'a insulté ici. Même Joe Biden, on l'insultait ici. Obama. Otanambe kombi otanantoroma. Ici aux États-Unis. Mo kombi mane alo arafa mumakianaka. Même si on veut, mais on va prendre de l'eau, on va verser sur vous.
des bandits comme ça, vous êtes incapables de donner de l'emploi aux Guinéens, changer les conditions de vie des Guinéens. Vous allez venir vous flanquer ici aux États-Unis, quand vous allez venir tromper pour dire les diasporas et les États-Unis, les ressortissants guinéens aux États-Unis. Hein? Non, 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 Ousmane Diallo, moi je vais faire un t-shirt spécial pour moi. Abat le CNRD, anti-CNRD, anti-putschiste, abat Doumbouya. Maintenant, les supporters de Doumbouya, ces jours-là, ils n'ont qu'à même dire un mot, s'ils me voient. Voilà, opérez, enfant, opérez, bande de bandits que vous êtes. En tout cas, ça c'est juste un avertissement. On a du respect pour les organisateurs, mais ne tombez pas dans le piège des putschistes. Ça, on vous le dit, hein. Ne tombez pas dans le piège des putschistes. Il y a eu plusieurs organisations ici, de interstate, des Guinéens, ça n'a jamais été politisé. Mais si c'est pour venir co-parrain CNRD, si vous ne pouvez pas inviter les Antonio Soare, des hommes d'affaires en Guinée, les KPC et autres, mais si c'est pour inviter les membres du CNRD, des bandits là pour venir gâter la fête, alors on va gâter. Vous voulez pas gagner, on va pas gagner. Wallah, vous voulez pas gagner, on va pas gagner. Ou si c'est pour venir pour fêter, on va fêter. Mais si c'est pour venir pagailler coup politique, alors là on va gâter.